Salut, bienvenue sur la plateforme irépétiteur.com. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un cours sur les fonctions logarithmes impériens, c'est-à-dire la fonction ln. Si vous vérifiez au niveau de la plateforme, vous allez voir qu'on a fait une fiche de synthèse. Vous aurez aussi des QCM, mais aussi des exercices type bac. C'est un chapitre très intéressant puisque associé avec les fonctions exponentielles qui vont s'en suivre, vous aurez beaucoup d'épreuves type bac avec ces deux fonctions-là, fonction ln, fonction exponentielle. Donc là, nous allons essayer de faire un cas pratique. Maintenant, au sommaire de la vidéo, vous allez voir que nous allons traiter avec le cas pratique les domaines de définition, les limites aux bornes de DDF, c'est-à-dire les limites aux bornes du domaine de définition, mais aussi on va dériver la fonction, parler du sens de variation et terminer avec le tableau de variation. Pour la fonction, on demande de déterminer le domaine de définition DDF de f, les limites aux bornes de DDF, la dérivée f' de x et le tableau de variation de f. On a donné f de x égale moins 2x plus 1 plus ln valeur absolue de x plus 1 sur x. Pour ces fonctions, on avait dit dans la fiche de synthèse que ln de x existe si et seulement si x supérieur à 0, strictement supérieur à 0, ce qui nous donne l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, il faut faire très attention parce que là, si on prend f existe si et seulement si valeur absolue de x plus 1 sur x strictement supérieur à 0, on va dire que c'est toujours vrai. On dira que DDF égale R, alors qu'il y a des valeurs qui ne vérifient pas la fonction. Donc, il faut faire très attention. Il est préférable de prendre f existe si et seulement si. F existe si et seulement si x plus 1 différent de 0 et x différent de 0, ce qui va nous donner x différent de moins 1, mais aussi x différent de 0. Et on aura DDF égale R privé de moins 1 et 0. Parce que là, on a composé ln avec une fonction de valeur absolue. Donc, il faut faire très attention. Il est préférable de prendre ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue et de dire que c'est différent de 0 pour éviter de tomber dans l'erreur où on va dire que DDF égale R. Parce que là, il y a des valeurs qui ne vérifient pas. Voilà. Donc, DDF égale R privé de moins 1 et 1. Nous allons chercher les limites aux bornes. Pour les limites aux bornes, d'abord, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction moins 2x plus 1 plus ln de x plus 1 sur x, puisque c'est f de x. N'est-ce pas? On cherche d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x plus 1, qui va nous donner plus l'infini. Et ensuite, la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de valeur absolue de x plus 1 sur x. Dans ce cas, on prend les monomes de plus haut degré et on obtient ln de x sur x en valeur absolue. Ce qui va nous donner ln de 1. Et ln de 1, on sait que c'est 0. Donc, on fait la somme de ces deux limites. On a plus l'infini et 0. Ce qui veut dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de x égale plus l'infini. On va faire de même avec la limite quand x tend vers plus l'infini de x. On prend d'abord la fonction moins 2x plus 1. Et ensuite, on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de valeur absolue de x plus 1 sur x. Là aussi, on va obtenir ln de 1 qui va donner 0. Ce qui veut dire qu'en faisant la somme, on obtient moins l'infini et 0. Ça va donner donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini. Il nous reste maintenant à déterminer les limites quand x tend vers moins 1 et 0. Limite quand x tend vers moins 1 de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins 1 de la fonction moins 2x plus 1 plus ln de valeur absolue de x plus 1 sur x.
On cherche d'abord la limite quand x tend vers moins 1 de moins 2x plus 1. On ne fait que remplacer x par moins 1 et on obtient moins 2 facteur de moins 1 plus 1. Ça va donner 3. On cherche la limite quand x tend vers moins 1 de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue elle-même. On obtient donc x plus 1 sur x, ce qui va donner 0 sur moins 1. 0 sur moins 1, on sait que ça va donner 0, parce que c'est 0 sur réel. Maintenant, de quel 0 s'agit-il? On sait que c'est un 0 positif. 0 plus parce que là, on est 1 avec les valeurs absolues. Valeur absolue de 0, donc là, c'est 0 plus, puisque la valeur absolue n'est jamais négative, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que la limite quand x tend vers, on prend grand X, parce que là, on compose ln à grand X. Limite quand grand X tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Donc, on donne la conclusion en disant que limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale moins l'infini. La limite quand x tend vers 0, maintenant, de f de x, on sait que là, limite quand x tend vers 0 de moins 2x plus 1 plus ln de x plus 1 sur x, on va prendre d'abord la première limite, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de moins 2x plus 1, qui va nous donner 1, parce que 2, moins 2 fois 0, c'est 0. Ça va rester donc 1. Et pour l'autre limite, limite quand x tend vers 0 de la valeur absolue, on obtient la valeur absolue de x plus 1 sur x égale 1 sur 0. Réel sur 0, ça va donner infini. De quel infini s'agit-il? Là, donc, il est préférable de voir qu'avec les valeurs absolues, on ne peut pas obtenir à l'intérieur de la valeur absolue moins l'infini. Donc, si on obtient réel sur 0, ça va donner plus l'infini. Ce qui entraîne que limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x égale plus l'infini. Voilà. Donc, nous avons terminé avec les limites au bord. Maintenant, nous allons essayer de dériver la fonction f. On obtient, puisque f n'est rien d'autre que la somme de deux fonctions dérivables, mais aussi avec ln, on voit que on a valeur absolue de x plus 1 sur x. Donc là, on a une composée de fonctions. Puisque c'est toutes des fonctions. C'est des fonctions dérivables. Donc là, on dira que f est dérivable sur le domaine de définition R privé de moins 1, 1. Maintenant, on cherche f prime de x. La dérivée de moins 2x plus 1 n'est rien d'autre que moins 2. Maintenant, si on a une fonction qui est sous la forme ln de u sur v, on avait dit dans le cours que la dérivée n'est rien d'autre que u prime sur u moins v prime sur v. C'est ce qu'on va appliquer. On dérive le numérateur. Le numérateur, c'est x plus 1. Sa dérivée n'est rien d'autre que 1. Donc, on obtient 1 sur x plus 1. Maintenant, on dérive le dénominateur qui est x. Sa dérivée, c'est 1 aussi. On obtient moins 1 sur x. Donc, c'est u prime sur u moins v prime sur v. Ce qui nous donne, on essaie de réduire au même dénominateur, puisque le dénominateur commun, ce sera x facteur de x plus 1. Donc là, on aura moins de x facteur de x plus 1 plus x moins x plus 1 sur x facteur de x plus 1. Ça va donner, si on réduit l'expression et on ordonne, on obtient moins de x carré moins 2x moins 1 sur x facteur de x plus 1. Ce qui nous donne f prime de x égale moins 2x carré moins 2x moins 1 sur x facteur de x plus 1 que les élèves ont l'habitude d'encadrer. N'est-ce pas? On va chercher le sens de variation, le signe de f prime. Pour parler du signe de f prime, on prend le numérateur d'abord, on prouve que c'est égal à 0. On cherche delta. Puisque delta est négatif, on dit qu'avec les inéquations du second degré, qu'on va prendre signe de A partout. Si c'est une inéquation, on dit que c'est signe de A partout. N'est-ce pas? Là, on a posé égal 0, mais n'empêche que pour voir le signe, et puisqu'on est en train de vérifier le signe de f prime, on va dire que moins 2x carré moins 2x moins 1 est négatif. Pourquoi? Parce que ici, a est égal à moins 2. A est égal à moins 2, c'est négatif. Donc, signe de a partout, on dit que c'est négatif. Or, le dénominateur,
On sait que le dénominateur est positif sur l'intervalle moyen l'infini moins 1, union 0, plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est x facteur de x plus 1. X facteur de x plus 1. On sait que x est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. On sait aussi que x plus 1 sur l'intervalle moyen l'infini moins 1 est positif. Pourquoi? Parce que là, si on étudie le signe, on peut prendre par exemple x plus 1 égale 0. En transposant, on obtient x égale moins 1. Ou bien on suppose x plus 1 supérieur à 0. On transpose, on obtient x supérieur à moins 1. Si x est supérieur à moins 1, ça veut dire que dans l'intervalle où on est, c'est-à-dire l'intervalle moyen l'infini, oui, x supérieur à moins 1, c'est l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. Mais n'oublions pas que moins 1 et 0 ne sont pas dans notre domaine de définition. Étant donné que moins 1 et 0 ne sont pas dans notre domaine de définition, donc là, on peut tracer un petit tableau de signes. Et il est préférable de tracer un petit tableau de signes où on va prendre x, facteur de x plus 1. On saura que les deux valeurs qui vont l'annuler ne seront que moins 1 et 0. Étant donné que c'est moins 1 et 0, on va faire le tableau de signes, on place les signes normalement. On voit que la fonction en tant que telle est positive. Donc sur l'intervalle moyen l'infini moins 1, union 0 plus l'infini est négatif sur l'intervalle moins 1, 0. Étant donné que le numérateur maintenant est négatif, donc là où la fonction, le dénominateur est négatif, la fonction devient là-bas positive. N'est-ce pas? Là où le dénominateur est positif, la fonction devient négative là-bas. Donc f' est négative sur moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, est positive sur moins 1, 0. D'où f est croissante sur moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, et f est décroissante du moins sur moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, et croissante sur moins l'infini jusqu'à croissante sur moins 1 jusqu'à 0, n'est-ce pas? Là, nous allons tracer le tableau de variation. Et avec le tableau de variation, n'oublions pas qu'on avait déjà cherché les limites aux bornes, ce qui va nous donner, là on va doubler la barre, là où la fonction n'est pas définie, c'est-à-dire sur moins 1 et 0. Puisqu'on a dit que f' est négatif sur moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, on va mettre moins là-bas, et positif sur moins 1 jusqu'à 0. Donc elle est décroissante, croissante, et pour la dernière partie, on aura décroissante, ce qui nous donne plus l'infini vers moins l'infini, mais aussi moins l'infini vers plus l'infini. Et pour la dernière partie, on aura plus l'infini moins l'infini, ce qui nous donne le tableau de variation de la fonction en tant que telle. Merci. Et vous aurez les quiz CM, mais aussi si vous vérifiez avec la FIS de synthèse, vous allez voir que là, c'est un peu plus détaillé et on aura des exercices type BAC qui vont s'en suivre. Merci et à la prochaine.